Le destin du jockey. Premier acte. L'extra lucide à supervision. La scène représente le salon d'attente de l'extra lucide à supervision. Cher fiancé, bien que jockey d'obstacles, vous avez su faire du plat pour conquérir mon cœur. Mais votre dangereuse profession me fait trembler. Et je vous ai conduit chez l'extra lucide à supervision pour connaître votre destin et me rassurer sur l'avenir. Allons, grande folle, mais vous ne craignez rien. Oh, voici l'extra lucide à supervision qui nous fait signe de pénétrer dans son cabinet de consultation. Merci. Vous venez pour une vision de l'avenir? Alors je vais sonner mon mari, le boxeur édenté à la retraite qui va m'endormir. Qui va l'endormir? Oui! D'un hudatus à l'extrémité du menton, c'est la nouvelle méthode. Mais le voici. Vous pouvez l'interroger. Je me retire. Parlez, extra lucide à supervision. Quel sera le destin de mon cher fiancé? Il ne faut plus qu'il aille à la selle. Je dis, il ne faut plus qu'il monte à cheval. Un terrible danger le menace. Ciel! Je vois. Je vois, oui, je vois. C'est affreux. Il mourra d'une chute de cheval. Ah, horreur! Bon, j'ai bien fait de venir, cher fiancé. Cette consultation va vous sauver la vie, car à partir d'aujourd'hui, jurez-moi de renoncer à votre métier maudit. Jurez-le-moi si vous m'aimez. Soit, je le jure. On a beau faire le malin, ça vous fait quand même quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je jette Kazakh aux orties et je vais tâcher d'entrer dans les contributions indirectes.